Pierre, moi non plus, je l'aime pas, Philippe. Oh, sa shape est weird. On n'est pas sûr s'il a commencé à se prendre en main ou se laisser aller. C'est ambigu. Ouais. Regarde, je vais faire ça vite, parce que j'ai une game de football. All right. J'ai un petit message aux gens qui, des fois, ils donnent des indications, puis on les connaît pas, tu sais, des indications pour des chemins, là, tu sais. Puis c'est clair, ça. Non, mais tu sais, des fois, tu connais pas quelqu'un, ton GPS, il est mort, puis là, des fois, les gens, ils donnent des indications que t'as pas de besoin. Tu sais, ça m'est arrivé l'autre fois, je dis, ouais, excuse-moi, j'aimerais ça aller sur la rue Pinsonneau. Personne fait, ouais, tu pognes Brébeuf à gauche, à un moment donné, tu vas continuer, là. M'emmener, tu vas voir le couche-tard, continue. Attends, je continue quand je vois le couche-tard. Pourquoi tu me mentionnes dans ce cas-là? C'est comme je te conte une anecdote. Je fais, ouais, tu te souviens, tu sais, au party de la fille avec la robe Bourgogne? Ouais, pas elle. Fait que. Okay. Comment ça, il y a des gens qui trippent sur faire des casse-têtes? Hein? Y a pas de surprise dans ça? T'as le dessin et sa boîte. Qu'est-ce qui rend heureux les gens là-dedans? Tu sais, je veux dire, tu fais, tu sais, t'as deux nénuphars à la boîte là, dans une rivière, tu fais ton casse-tête, whoop, deux nénuphars dans une rivière. Comme découpe la boîte pas encore tout ça. Là, tu sais, je fais autre chose. Ça serait nice que ça soit pas les mêmes affaires que sa boîte. Ça serait cool. Hein? Tu le sais pas, tu sais, genre, mettons deux nénuphars dans une rivière, là, tu fais ton casse-tête, whoop, un chien saucisse qui sourit. Nice. Ou genre, tu fais un casse-tête, pis c'est toi. Ton visage, avec exactement la même expression faciale de quand t'as fini le casse-tête. Ça t'a coûté 7$ pour plus jamais te sentir en sécurité. Moi, je trippe ces animaux. D'ailleurs, moi, ma blague préférée, là, c'est je vais en campagne, puis je vais voir le monde, je leur dis « Hey, ici, ils sont énormes, vos dalmatiens! » Petite joke. Une petite joke. Non, applaudis pas ça, les autres, ils aiment pas ça. OK. Oui, il y a quelque chose, j'ai peur. J'ai tout le temps gardé même peur dans la vie. Moi, j'ai peur toutes les fois que j'ouvre mon store. J'ai peur toutes les fois que j'ouvre mon store qu'il y ait quelqu'un de l'autre côté, accroupi, qui passe sa vie là, juste pour pouvoir me faire faire le saut. C'est pour ça, moi, toutes les fois que j'ouvre mon store, je crie en même temps. Et lui, qui va faire le saut. J'ai arrêté récemment de croire en Dieu. Ouais. C'est sûr, de temps en temps, je prie encore au cas où à qui de droit, là, mais tu sais, j'ai arrêté. Moi, longtemps, j'ai cru parce que j'allais à l'école chrétienne, moi, quand j'étais jeune. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont été à l'école chrétienne. Peu importe, ça va être les mêmes jokes. Mais c'est qu'à l'école chrétienne, tout est à connotation religieuse. Tu sais, moi, mettons, mes cours de mathématiques, les problèmes, c'était genre, Zacha, trois poissons, il en égare deux. Combien reste-t-il? Assez pour partager. C'était... Genre ça, les... Moi, je me souviens, à mon école, un moment donné, on s'était fait confisquer toutes nos cartes Pokémon parce qu'à Laval, il y avait un petit gars qui s'était fait poignarder par un autre petit gars pour avoir ses cartes Pokémon. Puis encore aujourd'hui, je me pose une question. C'était quoi, les cartes? Elles devaient être si rares! Tu stabs pas quelqu'un, là, pour des déglettes, là? Devait être au minimum un Charizard, là, quelque chose de nice, là, Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi Pokémon? C'est l'émission de télé qui avait le même slogan que les nazis. C'est... D'attraper-les tous. Quand même une bonne blague de Deuxième Guerre. Merci. Moi, j'ai arrêté de croire en Dieu au moment que j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, si Dieu a vraiment créé toutes les espèces sur Terre, je pense pas qu'il voulait que l'être humain soit l'espèce dominante. On est la seule espèce qui aurait inventé sans aucun moyen de défense. Là, tu sais, nous autres, on a juste des ongles pour ouvrir des oranges, là. Pendant ce temps-là, un rhinocéros, ça a une arme blanche sur le nez, là. Qu'est-ce que je veux dire? C'est un bébé humain, c'est un bébé. Un bébé cobra, c'est un cobra. C'est fou, les moyens de défense des autres animaux. J'ai appris le cocombe de mer. Le cocombe de mer, il est capable d'empoisonner ses organes, OK? Puis lui, il se régénère. Fait qu'il pogne un organe, il l'empoisonne, mettons un poumon, il pitche sur un ennemi, puis ça, il recrée un autre poumon. C'est quand même badass, là, pour quelque chose qui s'appelle un cocombe de mer. Il y a la moufette, là, qui est ordinaire, là. Tu veux m'attaquer, ben, tu vas plus à ton meeting. Puis Dieu, s'il existe vraiment, il avait quand même la mèche courte, hein?
Parce que dans l'histoire biblique, c'est dit qu'à partir que Ève a mangé la pomme, c'est là que les femmes se sont mises à accoucher dans la douleur. Tu sais, il a snappé. Il a fait, elle a voulu manger une Macintosh, ben qu'elle déchire. Moi, j'adore mon humour, personnellement. Je le trouve. Moi, j'aimerais. Merci. Moi, j'ai de la misère surtout avec les insectes. Tu vois, les insectes, Dieu a créé ça, là, ça a l'air d'un projet inachevé. Tu sais, de quoi que sa peau, c'est de l'écorce, ça, c'est dégueulasse. Moi, j'ai eu les bébites d'humidité. C'est dégueulasse, là, quelque chose qui trippe sur l'humidité. Oh, c'est humide, tu sais, j'ai... Dégueulasse. Moi, je suis sûr qu'une bébite d'humidité, ça a une voix de cigarette avec les autres insectes. Tu vois, j'étais une bébite d'humidité. Je suis sûr que ça a tout le temps des propos hyper vulgaires. Il y a comme une sauterelle qui passe, veux-tu que je te mange le cul? Pardon? J'ai appris aussi des coquerelles. Ça a l'air, les coquerelles, ils ont les deux sexes, ils font les bébés toutes seules. Ça veut dire qu'il a fallu que la nature trouve une solution, parce que même entre eux autres, ils se trouvaient dégueulasses. Hey, merci tout le monde, bonne fin de soirée.